Bonjour à tous, on est le 30 novembre. Alors, je rejoue contre l'IA en Protoss contre Terran, parce qu'on m'a dit que ça avait l'air très facile. Donc, je vais voir si ça vient du build de l'ordinateur ou si ça vient du build de 3Gate qui me donne plus de liberté, plus de souplesse. Donc, on va voir ça. J'ai tenté un 3Gate juste comme l'autre partie. Puis voir comment ça Vous se n'avez passe. pas assez de minerais. Vous n'avez pas Alors assez j'ai de essayé de vous minerais. dire des trucs intéressants, Vous n'avez pas donc assez là de pour minerais. l'instant, hein, vous voyez je dors sur la touche Vous E, n'avez vous pas voyez que assez de c'est... minerais. Je laisse Vous appuyer la n'avez pas touche E, assez c'est de pour ça minerais. qu'il reste colorié. Vous n'avez pas assez de Voilà, minerais. hop, j'ai bien Vous dormi. n'avez pas assez de minerais. Mon neuvième arrive. Je me prépare à faire un pylône. C'est pareil, je dors sur la touche E. Et je me vautre deux fois de suite, pas Vous mal. n'avez pas assez de minerais. Voilà. Vous n'avez pas assez de minerais. Donc là, Vous n'avez pas assez de minerais. je vais pouvoir commander ma prochaine sonde et je vais essayer de regarder en fonction de l'avancement de mon pylône. Vous voyez qu'il arrive tôt, donc je peux commencer à chronobooster un peu plus tôt. Et hop, vous voyez, les deux sont synchronisés, c'est magique. Des fois, je m'en rate un peu, mais en moyenne, ça se passe bien. Là, je peux queuer des sondes parce que je sais que je vais en faire jusqu'à 13. De toute façon, voilà. Et je vais bientôt re-chronobooster mon Exus et qu'il aura fini. Voilà, il a fini. Donc là, je vais faire Gate, normal. Vous n'avez pas assez de minerais. On va Vous refaire n'avez une pas assez de sonde. minerais. On va pas tarder à faire un assimilateur. Vous n'avez pas assez de minerais. Une Vous sonde. n'avez Donc pas j'ai assez arrêté de de minerais. chronobooster hein, pour pouvoir chronobooster ma technologie Warp Gate. Allez, on va poser un pylône. Parce que je le vois bien. Et on va aller scouter, on en Vous profite. n'avez pas assez de minerais. Mon assimilateur devrait pas tarder à arriver. Le voilà. Il va faire des sondes, bien sûr. Ah, si je veux qu'il y ait ma gate, ça pourrait être pas mal. Ma gate va arriver. Je vais faire un cybernetic core. Normalement, j'ai pas besoin de Zealot, à moins qu'il joue Maraudeur. On va le savoir assez vite. Oh bah c'est le bon vieux build, hein, toujours le même. Un build avec deux baraques. Je vais avoir le droit de faire une deuxième gate. Ou pas, je ne sais plus. Et ben on va faire une deuxième gate. Comme ça on saura. Je risque d'être un tout petit peu short en pognon. Ah, ça va bien se passer. Voilà, bon j'ai vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Je fais quand même semblant de scouter, mais... Donc on va chrono-booster les Warp Gates. Enfin, un pylône, ça va bien jouer un pylône. Premier Stalker va arriver. Je peux directement aller l'agresser avec ce Stalker. Commander le deuxième Stalker. En début de partie, je ne fais que des stalkers hein, parce que c'est une excellente unité en faible quantité. J'ai le droit de faire une troisième gate et un pylône aussi. On va essayer de faire des dégâts à ses marines. Ouh là, il a énormément de marines, monsieur. Bon, j'ai pas la micro hein, pour faire ça, donc on fera ça un autre jour. Recherche terminée. Je suis moins synchro que la dernière fois. Je vais pouvoir faire ma robot. Et maintenant que je n'ai plus de technologie Warp Gate à le chrono booster, je vais chrono booster mon Nexus. Vous n'avez pas assez de gaz d'Espen. Allez, un pylône, hein. Toujours bon esprit. On fait un deuxième. Quand on a 3 gates, on est très gourmand en food. Ah, pardon.
Je suis légèrement supplé avec bloc, ça ne devrait pas trop durer. Assez d'énergie. Nous ne faisons qu'un avec l'ombre. Commandez ma vie pour ailleurs. Et c'est là où je vais avoir besoin de plus de gaz. J'ai ma robot qui est là, donc de toute façon, robot. C'est-à-dire, ça va me coûter beaucoup de gaz ces histoires. Vous voyez qu'en fait, j'ai énormément d'armées. Ah, bah, lui aussi. Et eh ben, je vais en profiter pour expandre, ça fait un peu bizarre, mais ouais, je vais expandre maintenant. Vous n'avez pas assez de minerais. Je sais qu'il a pas assez d'armée pour me contrer, donc on va expandre tout de suite. Bon, je vais être short au niveau production, vous voyez j'ai fait beaucoup trop de structures de production par rapport à ce que je suis capable de faire, mais ça fait partie du build. Surtout que je viens d'expandre évidemment. Ça fait partie du build. Moi je sais que lui il va avoir le temps de recréer une troupe. Hein. Mais avec la mobilité supplémentaire des stalkers, je suis absolument pas inquiet. Enfin, un observeur. Et on va enchaîner sur les zélotes. On va commencer à attaquer vers High Templar, charge, etc. Toutes ces excellentes choses. Et donc c'est... Voilà, ma stratégie, ça va être plus être ça. Parce que j'ai une expand, je vais avoir... J'ai déjà investi dans des gates assez, de manière assez conséquente. Je vais tenter un truc, c'est d'être supply blocked. Ça sert bien. Ouais, c'était pas ça que je voulais faire du tout. Faire charge. Allô. Pour le talion. Je suis le cœur des ténèbres. Ah, il vient de passer. Je suis là. Descendre. Faire une forge. Des guettes supplémentaires. Alors vous aurez peut-être remarqué que je n'utilise pas le raccourci clavier pour l'immortel. Je n'utilise pas donc le raccourci clavier pour l'immortel parce que I c'est une touche que j'ai du mal à accéder, à laquelle j'ai du mal à accéder. Donc je me permets de ne pas l'utiliser. Donc j'ai charge, je suis beaucoup mieux, on va faire l'armure. On va commencer à prendre le gaz parce que là j'ai du mal à tenir en production. Un pylône de plus, je sais que je viens d'en faire un, mais ça n'empêche. Idéalement, faudrait que je positionne mes sondes pour pouvoir faire des pylônes chez lui. Pour faire des stalkers, essayer d'avoir toujours une quantité de stalkers assez constante. Là, ces assimilateurs arrivent trop tard hein, par rapport à ma volonté de faire High Templar. Donc c'est pas grave, je vais faire que des iodes. Pendant ce temps-là, ça tombe bien, j'ai fait charge. Ça me permet de... Ça me permet d'être... Pas du tout. Ça me permet de rentabiliser mon minerai, entre guillemets. Ouh, j'ai un gros problème de chronoboost, moi. J'ai fait le temple à archive. Voilà, on va faire des pylônes.
faire un ici. Un là aussi. Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Vos guerriers ont engagé le combat. C'est quoi, c'est eux? Mal joué. Lol. Ok, lol. Hein, lol. Vaut mieux dire ça. Amélioration terminée. Eh ben, on continue à faire des gates. De toute façon, je vais produire que de ça. Ah, salut les gars. On va expandre aussi, hein. Recherche terminée. Voie de l'éclipse. Continuez à chrono booster les deux. Mes deux améliorations majeures. On va réexpandre. Pas de raison. Je suis la voix de l'éclipse. Ouf. Oh, oh, salut. Discrétion assurée. Donc on va le laisser faire pour l'instant. Recherche terminée. Et là, je suis en full déroule, donc je peux passer en mode. Je peux aller l'attaquer. Vos sondes sont attaquées. Nous restons concentrés. Et là. Ma vie pour Ayur. Nahada. Un coup de feedback de temps en temps, c'est toujours plaisant. Vous voyez, j'ai tellement de plus de trucs que lui que bon. Et voilà, je fais. Et c'est tout. Nous ne tiendrons pas plus longtemps. Vous voyez, hein, ouais, c'est vraiment pas compliqué. Nous ne tiendrons pas plus longtemps. Et c'est tout, au revoir.